Greetings. Thank you, everyone. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Bienvenue en cette session de l'Assemblée générale. Bon après-midi, bonne matinée selon où vous êtes, bonne soirée pour ceux qui nous rejoignent de l'autre côté du globe. Je suis donc Patricia Mopeta. Je suis l'actuelle vice-présidente du consortium APAC. Et donc je vous appelle depuis l'Afrique du Sud. Je suis proche de Cape Town, des territoires ancestraux. Je crois qu'on a pu déjà vous donner les indications pour que vous puissiez donc rejoindre les canaux d'interprétation. Et nous allons donc commencer par regarder les aspects pratiques de notre agenda, puis je donnerai donc la parole à mon collègue Colin Scott. Je remercie également l'équipe du secrétariat, de Holly et tout le reste de l'équipe. Merci pour votre excellent travail et pour tout ce que vous apportez au consortium. Alors, malheureusement, notre président Teddy est malade aujourd'hui et il ne sera donc pas en capacité de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, envoyons-lui toutes nos meilleures énergies pour qu'il se récupère très vite. Alors, Patricia, excuse-moi de t'interrompre. Nous allons simplement laisser quelques minutes à Gaëlle pour qu'elle puisse donc expliquer à tout le monde comment rejoindre les canaux d'interprétation. Je suis désolée de t'interrompre. Aucun problème. Merci beaucoup. N'hésite pas à m'interrompre lorsque cela est nécessaire. Donc, Gaëlle, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Patricia. Donc aujourd'hui, nous avons l'interprétation en anglais, en français, en espagnol, en italien et en russe. Donc n'hésitez pas à choisir vos canaux pour écouter les différentes langues. Vous trouverez sur votre barre d'outils en bas de votre écran un petit globe pour donc choisir l'interprétation. Si vous êtes sur le téléphone ou la tablette, vous avez trois petits points, donc vous pouvez cliquer là pour trouver l'interprétation. Donc, merci d'éteindre votre microphone si vous ne parlez pas. Et nous demandons à toutes les personnes donc, qui vont parler de bien vouloir le faire assez lentement, principalement si vous lisez, pour que les interprètes puissent vous suivre. Si vous avez des problèmes avec l'interprétation, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Et merci encore de nous aider à créer cet espace multilingue. Nous disposons d'une interprétation en anglais, espagnol, français, russe et italien. Veillez à sélectionner le canal français pour accéder à l'interprétation. Donc, si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe qui dit « Interprétation » dans la barre d'outils ci-dessous. Ou si vous utilisez l'application Zoom sur votre téléphone ou tablette, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, puis « Français », puis « OK ». L'interprétation n'est pas disponible sur les appareils Chromebook ou Linux. Veuillez aussi veiller à couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et nous vous demandons à tous les présentateurs de parler lentement et clairement, surtout si vous lisez. Vous pouvez sélectionner l'option « Couper l'audio original » pour mieux entendre l'interprétation pendant les vidéos ou les audios qui sont dans d'autres langues que le français. Si vous rencontrez un problème avec l'interprétation, veuillez nous en faire part dans le chat. Merci de nous aider à créer cet espace multilingue. I will now pass to Daniela for Spanish,
Then Marco for Italian. Je vais donc laisser la parole à Daniela qui va nous expliquer donc ces mêmes instructions en espagnol, puis mes autres collègues qui le feront donc en russe, puis en italien. Francés, ruso e italiano. Por favor, asegúrese de seleccionar el canal en español para poder usar la interpretación. Si utiliza un computador, haga clic en el icono del globo terráqueo que dice Interpretación en la barra de herramientas que está abajo de su pantalla. Si utiliza la aplicación Zoom en su teléfono o en una tableta, haga clic en los tres puntos, luego en español y luego en Listen. La interpretación no está disponible en dispositivos Chromebook o Linux. Por favor, silencie su micrófono cuando no esté hablando. Les pedimos a todos los presentadores que hablen despacio y con claridad, especialmente si están leyendo. Puede seleccionar la opción Silenciar audio original para escuchar mejor la interpretación durante videos y audios en idiomas que no sean el español. Si tiene alguna dificultad con la interpretación, por favor, cuéntenos por el chat. Y muchas gracias por ayudarnos a crear este espacio multilingüe. Marco, over to you. Thank you, Daniela. Grazie, Daniela. Allora, abbiamo anche disponibile la traduzione in italiano e per accedere a questo bisogna cliccare sul tasto Interpretariato in basso, dopo aver cliccato scegliere il canale italiano. La traduzione è disponibile sia dalla lingua che viene utilizzata all'italiano e sia dall'italiano alla lingua che viene utilizzata. Si prega di parlare lentamente, specialmente se si legge qualche cosa. Se ascoltate dei video e volete ascoltare il canale audio originale, potete selezionare Disattiva audio originale. Grazie. Ibek, could you please explain in Russian? Ibek, can you explain how the interpretation works in Russian, please? Okay, so maybe we can continue and have the explanation for Russian in the chat. Thank you, and back to you. Thank you very much, Gael. Merci, Gael, pour ces explications. Nous allons donc passer à notre cérémonie d'ouverture. Et nous allons donc écouter Kinoi Fukumitsu de Kua, membre de Hawaï. Merci, Kinoi. O hi hi ka i ini i ke a hupu, ho a hu ka la ko ka pilina mo. O mau ka hana mai au i lau, ho a ke au a mau, a mau. Aloha kako ICCA ohana. My name is Kinohi Fukumitsu and I am from Waimanalo, Oahu, in the Pai Aina of Hawaii. Je m'appelle Kinohi Fukumitsu et je viens de Waimanalo, Oahu, dans l'archipel de Hawaï. Je regrette beaucoup de ne pouvoir être ici aujourd'hui avec vous et j'espère que nous aurons un jour l'occasion de tous nous rencontrer. Ce Oli ou chant d'ouverture s'appelle Oli Oi. Il a été créé pour reconnecter les groupes de notre réseau après les quelques années vécues expérimentées séparément. Il se traduit par « Nos désirs sont enchantés par le collectif ». Rassemblons nos moyens de connexion
poursuivons ensemble le travail soigné, intelligent et allumons perpétuellement la lumière incessante. Nous espérons que toutes ces bonnes intentions se manifesteront dans le monde entier en reliant nos efforts collectifs, nos ressources, nos connaissances ancestrales et en nous enracinant dans le Aïna, ce qui nourrit, pour créer un changement positif à travers la terre de notre île. Nous inaugurons en ce jour avec l'espoir d'un mouvement perpétuel vers la sauvegarde de notre Aïna, de ce qui nourrit par le maintien de notre bien-être collectif. Je travaille donc pour Kua Aina Ulu Uamo, membre du consortium APAC, également connu sous le nom de Kua. L'Awamo, c'est un bâton traditionnel hawaïen. Vous pouvez le regarder juste au-dessus, le voir juste au-dessus du logo ici. Ce bâton est donc porté sur les épaules pour aider à répartir le poids et faciliter le transport de charges lourdes sur de grandes distances. Nous travaillons avec plus de 80 groupes à travers de toute l'île d'Hawaï, dont des organisations à but non lucratif, des groupes communautaires et des familles. Nombre de leurs efforts, de nos efforts, visent à restaurer les Aïna, les systèmes alimentaires et les pratiques culturelles et communautaires. Notre organisation trouve des moyens pour donc survivre, pour tisser des liens entre les communautés, pour répartir la charge de travail. Et nous aidons aussi à tirer parti des ressources et des systèmes existants pour soutenir nos réseaux. Alors, embarquons-nous tous dans ce grand voyage qui nous attend avec un sage dicton de nos ancêtres pour nous aider. Et donc, ce dicton se traduit par « L'unité est un bien précieux ». Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Et voilà, aloha. Merci beaucoup, Kinui, pour ce magnifique message et puissant message. Et merci donc pour cette ouverture officielle de la session d'aujourd'hui. Merci encore pour ce magnifique message. La session d'aujourd'hui est donc officiellement ouverte. Et nous pouvons prendre peut-être quelques secondes pour vraiment intégrer ce qui vient d'être partagé et vraiment nous centrer avant de continuer. Parfait. Gaël, je vais donc te passer la parole à nouveau pour que tu puisses nous répéter les indications. Oui, donc simplement, si vous êtes arrivé en retard, nous vous demandons de bien vouloir vous renommer, de mettre votre prénom et d'ajouter un M si vous faites partie d'une organisation membre. Un H si vous êtes membre d'honneur et si vous êtes ici en tant qu'observateur, merci de rajouter OBS puis d'écrire donc votre nom. Cela nous aidera à savoir qui vous êtes et au nom de qui vous intervenez. Et cela nous aidera également donc, lors de la prise de décision. Nous avons également donc, l'interprétation en 5 langues aujourd'hui.
en plus du français. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit globe en bas de votre écran, puis choisir votre langue. Nous vous rappelons de bien vouloir parler lentement et clairement pour que les interprètes puissent vous suivre. Nous avons donc 2h30 pour cette session d'aujourd'hui. Nous voulons vraiment respecter le temps et les agendas de tout le monde, sachant que nous sommes réunis ici du monde entier. Donc, nous avons vraiment besoin d'aller directement au but, d'être concis dans toutes nos interventions pour respecter ce temps. Lors des moments de questions-réponses, vous pouvez utiliser donc la fonction de Zoom pour lever votre main. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez également envoyer un message par le chat et les interprètes feront de leur mieux pour vous traduire. Et merci beaucoup et nous vous souhaitons une belle session. Patricia, je te rends la parole. Merci beaucoup Gaëlle. Donc encore une fois, bienvenue à cette troisième session de notre assemblée. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons déjà donc écouté la cérémonie d'ouverture. Je vous rappelle donc que mon nom est Patricia Mopeta, je suis donc vice-présidente du consortium et je vous appelle donc depuis l'Afrique du Sud, donc d'un territoire ancestral. Et si vous voulez venir me rendre visite, je serai ravie. Alors, je vois que nous avons à l'écran l'agenda d'aujourd'hui. Voilà, nous allons donc revoir brièvement cet agenda et voir si tout le monde est d'accord avec cet agenda revu pour donc continuer cette assemblée d'aujourd'hui. Nous avons donc 2h30 pour cette session. Nous avons déjà passé donc la cérémonie d'ouverture. Le second point sera de revoir et d'approuver donc l'agenda révisé. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous allons ensuite écouter une session qui sera guidée par Holly, notre coordinatrice internationale, pour en entendre plus sur les rapports du secrétariat et au niveau international du travail. Nous aurons ensuite donc le rapport du trésorier 2022 qui devra également être adopté. Ensuite, nous écouterons le rapport l'auditeur des comptes pour 2022. Nous en saurons plus donc au niveau des finances. Et puis, à la suite de cela, nous passerons donc aux élections de nos nouveaux membres du Conseil. Donc, la nomination doit être approuvée et une fois cette élection approuvée, nous passerons à la nomination de l'auditeur des comptes et de notre ombudsperson, donc de notre médiateur. Puis, donc, nous fermerons cette session jusqu'à la prochaine qui aura lieu le 28 juin. Donc, voilà notre agenda pour aujourd'hui. Je souhaiterais également souligner que nous avons deux sessions très intéressantes dans les deux prochaines semaines. Ce sont donc des sessions qui sont optionnelles, mais je vous invite vraiment à y participer, car ce seront donc des sessions très importantes pour le consortium et pour le travail qui vient dans le futur.
Nous aurons lors de ces réunions donc le conseil des anciens plus quelques personnes du secrétariat, donc une session le 6 juin pour développer donc le manifeste sur les territoires de vie. Je vous encourage vivement donc à partager à ces sessions, car donc ce manifesto sera la base de ce que nous voudrons montrer comme image du consortium. Donc il sera important d'avoir les voix de tout le monde. Il y a une deuxième option de réunion qui sera le 8 juin. Et le thème sera donc un processus organisationnel de réflexion, de révision et de planification pour le futur. Et lors de cette session, nous allons vraiment approfondir notre réflexion sur ce que nous considérons, comment nous considérons nous en tant qu'organisation, comment souhaitons-nous planifier le futur. Nous sommes à un moment critique de notre organisation, de notre vie en tant que consortium. De nombreuses choses arrivent en ce moment et nous devons faire en sorte de nous maintenir dans un espace sain pour tout le monde au sein du consortium. Et vraiment, donc je vous invite aussi ici à participer, car vos voix sont importantes. C'est vous qui avez la place ici pour dire ce que vous attendez du consortium, ce que vous souhaitez que soit le consortium. Nous aurons donc plusieurs personnes du conseil ici, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit les membres qui donc donnent leur avis et leurs opinions. Alors, s'il y a des questions, des objections, vous pouvez nous en faire part. Sinon, nous avons besoin donc d'une personne qui approuve la motion et d'une autre personne qui la seconde. I see a hand. I think, and maybe the team can help me. Alors, je vois une main levée. Est-ce que l'équipe peut peut-être m'aider, car je n'arrive pas à voir qui a sa main levée. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des mains à lever pour que je ne rate personne. Oui, alors ici, Carolina. Je voulais simplement donc dire que nous avons eu des réunions ici en Amérique latine et nous voudrions demander où pourrait entrer dans l'agenda le partage de ces réflexions, c'est-à-dire à quel moment de la journée, de ces heures-là, nous pourrions partager cela. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la session du 8 juin sera justement l'occasion d'amener à la table hein, toutes ces voix d'Amérique latine, d'Afrique, des autres régions. Holly, si tu souhaites ajouter quelque chose, je vois que ta main est levée. Oui, merci Patricia. Je voulais simplement dire à Inès qu'il y a quelque chose de bizarre à l'écran. Voilà, parfait. Alors, en ce qui concerne cette question, je pense qu'on peut suggérer que lors des élections des nouveaux membres, nous pourrions prendre quelques minutes pour partager cela. Cela pourrait également être lié donc aux nominations. Donc nous allons prendre en compte cette suggestion, bien entendu.
council elections just to make sure that they. L'idée c'est donc de prendre, de bien faire attention que nous ayons ces élections, car c'est important pour la session d'aujourd'hui. Mais si nous avons le temps, nous pourrons en effet prendre quelques minutes pour écouter donc ces discussions. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'avoir des rapports complets, mais bien entendu, il y aura donc cet espace pour cela. Et bien entendu, à d'autres moments, nous pourrons également en entendre plus. Voilà, donc ce sera plutôt vers la fin de la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Holly. Et je pense également que s'il y a la possibilité d'avoir des informations plus récentes, ce sera aussi intéressant de trouver le moment pour cela. Alors, pour les informations qui concernent le conseil, je pense que c'est bien que donc, ce soit les personnes du conseil qui donnent leur opinion. D'accord, c'est bien noté, Holly. Merci beaucoup. Alors, en effet, peut-être que depuis l'Amérique latine, Felipe pourra être un point de contact pour donc apporter ces nouvelles informations dont parlait Carolina. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous pourrions donc avoir deux membres qui adoptent et un autre qui seconde donc l'adoption de cet agenda? Propose on behalf of Semipos. Ici, Semipos, nous acceptons. Parfait, merci beaucoup. I second from NTFP. Oui, et ici, depuis NTFP, je seconde la motion. I believe we can move to the next. Merci, parfait. Je pense que nous pouvons donc passer à notre point suivant. Pour les personnes qui nous rejoignent en ce moment, eh bien, bienvenue. Alors, lors de l'assemblée précédente, nous avons pu en entendre plus sur le travail merveilleux que nos équipes régionales mettent en place. Et donc, dans la session d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie des rapports de 2022. Et nous allons nous concentrer donc sur les thèmes de travail au niveau mondial. Et je vais donc demander à Holly de nous partager son rapport. Merci beaucoup, Patricia. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous et vous toutes. Nous sommes ravis de vous partager donc plus d'informations sur notre travail collectif de 2022 et vous allez donc en entendre plus du travail fait par le secrétariat et par un membre du conseil très spécial. Nous allons donc commencer par écouter Dr. John Ruby, membre d'honneur de Malaisie, qui est représentative donc du thème « Documenter les territoires de vie ». En 2022, elle a continué à partager donc ce rôle avec Paola Maldonado de notre membre Aldea en Équateur. John, la parole est à toi. Merci beaucoup, Holly. Bonjour tout le monde. Donc, je suis donc June Robis, je suis la représentante thématique pour documenter les territoires de vie au sein du Conseil international du consortium. Et j'ai donc partagé ce rôle avec Paola Maldonado en 2022. L'an dernier, nos membres ont continué à faire de grands progrès au niveau local et national en termes de documentation, de création de registres, de bases de données, notamment en Indonésie, au Bornéo-Malais, aux Philippines, en Équateur, en Colombie, au Mexique, au Chili,
au Burkina Faso, en Finlande et dans de nombreux autres pays. En Mésoamérique, Coop Solidaire et d'autres membres ont produit de courts documentaires sur les expériences des communautés concernant les territoires de vie dans les systèmes côtiers et d'eau douce, principalement au Costa Rica et au Panama. Au niveau régional, nos équipes de coordination régionale, nos membres et nos membres d'honneur ont travaillé en étroite collaboration pour produire de nouveaux rapports régionaux impressionnants sur le statut des territoires de vie en Asie du Sud, avec donc le soutien de NTFP, et en Asie occidentale et centrale, ainsi que dans le Caucase avec le soutien de Senesta. Le rapport sur l'Asie du Sud-Est comprend un chapitre spécial sur la documentation des territoires de vie, accompagné d'un magnifique documentaire. En Asie du Sud, Kalpraviksh a lancé un nouveau portail sur les aires du patrimoine communautaire en se concentrant dans un premier temps sur l'Inde. Le rapport sur l'Asie du Sud-Est et le portail sur les aires du patrimoine communautaire en Asie du Sud ont été lancés en douceur lors du congrès de l'UICN sur les parcs d'Asie en mai, durant lesquels nos membres ont co-organisé une session d'échange sur la documentation et la cartographie des territoires de vie en Asie. Au début de cette année, dans le cadre de notre troisième Assemblée régionale d'Amérique latine, nos membres ont établi un groupe de travail régional sur la documentation des territoires de vie. Au niveau mondial, le consortium APAEC continue de travailler en étroite collaboration avec le Centre mondial de suivi de la conservation, du PNUE, et d'autres partenaires mondiaux, pour soutenir le registre des APAC. En décembre 2022, nous avons lancé la nouvelle application multimédia Mapeo pour les APAC. Cette application peut être utilisée hors ligne par les communautés pour cartographier leur territoire de vie. Et si elles choisissent de le faire, elles pourront nous partager des informations directement avec le VCMC pour le registre mondial des APAC. Comme vous pouvez le voir, le thème de travail sur la documentation des territoires de vie fait partie du travail du consortium à de multiples niveaux et étroitement lié à d'autres formes de reconnaissance et de soutien, y compris les communications, le plaidoyer politique et bien plus encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, June. Nous allons maintenant aller à Taïwan pour entendre Sutej, Ugu Sutej, notre coordinateur de l'Asie. Il nous a donc enregistré une vidéo pour donc nous faire son rapport. Puis Sarah Alakara, qui a travaillé pendant 3 ans en tant que représentatrice thématique pour donc soutenir les territoires de vie, n'est malheureusement pas ici. Nous allons donc voir cette vidéo de Ugu, notre coordinateur interrégional. Alors, bonjour, mes chers amis. Les membres d'honneur travaillent sur divers aspects pour donc soutenir les territoires de vie, tels que la gouvernance interne, le leadership, la santé, le bien-être, l'éducation, les relations intergénérationnelles, le leadership, la santé, le bien-être et les relations intergénérationnelles, la souveraineté alimentaire et énergétique, les moyens de subsistance et les événements culturels. Au cours des dernières années, le consortium APAC a essayé différentes formes de soutien au territoire de vie dans les systèmes côtiers, marins, avec donc l'aide de subventions de la Fondation Oak et de la Fondation Packard. En 2002, nous avons accordé des subventions complémentaires pour les priorités donc des membres au niveau local et national, notamment en Tanzanie, en Malaisie, au Chili, en Équateur, au Costa Rica et dans les pays voisins de la Mésoamérique. Au niveau international, nous avons été très présents lors de la conférence des Nations Unies sur les océans au Portugal, notamment par le biais d'événements en ligne et en personne, grâce à la participation des membres et des dirigeants communautaires et un soutien en matière de communication multimédia. Cette dynamique s'est poursuivie lors de la COP15 de la
Convention des Nations Unies sur la biodiversité au mois de décembre. Le pastoralisme et les terres de parcours ont été un autre point fort de notre travail collectif l'an dernier. Les coordinateurs régionaux et les membres en Asie ont pris l'initiative d'organiser un atelier en ligne composé de 3 sessions au cours du mois de novembre. Ce fut une étape importante pour imaginer collectivement une initiative mondiale visant à soutenir les territoires de vie des pasteurs et leurs priorités et projets autodéterminés. C'est un exemple excellent d'initiative interrégionale qui a été développée par et avec les membres et qui est reliée à des opportunités mondiales telles que donc, l'année internationale du pastoralisme et des pâturages. Enfin, notre équipe de communication a mis en lumière divers aspects de ce domaine d'activité. Pour ne citer qu'un exemple, eh bien, nous avons publié une déclaration de solidarité pour la Journée mondiale de l'alimentation en octobre, axée sur la souveraineté alimentaire. Thank you so much, Hugo, for stepping in to help with this at the last minute, and a very special thanks to our colleague Ines Hirata in Brazil for producing the lovely video slideshow. Vidéo. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis très heureuse d'introduire Milka Thiekorier, qui était le coordinateur de notre corps sur la défense des territoires de vie jusqu'à la fin 2022. Milka a travaillé en tant que, au début de cette année, elle est la co-coordinatrice pour les questions politiques et du plaidoyer en Afrique, et aussi avec un focus sur la défense des territoires de vie. Milka est présentement au Maroc. Maroc, je pense que je sais que la connectivité est très est un grand défi, mais ce travail, la défense des territoires de vie, est appuyé dans le Conseil global et aussi en Afrique du Sud. Milka, la parole est la vôtre. Merci beaucoup, Milka. Hello everyone. Bonjour mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu, Milka Thiekorier est mon nom, et je suis de Cheragaran Hills du Kenya. 2022 a prouvé être une année très difficile pour les membres et aussi la défense des territoires de vie a été très très testée, mais cependant, d'une manière ou d'une autre, nous avons prouvé que cette solidarité et le col qui fait que les associations et les communautés restent ensemble. La défense est ici pour appuyer ces différents efforts. L'année précédente, nous avons apporté un appui pour pouvoir amplifier certains de nos membres qui font face à des menaces, notamment des procédures d'éviction des terres et aussi des persécutions politiques et aussi et cela inclut aussi des lettres au gouvernement et aussi des campagnes en ligne liant les leaders communautaires des organisations sur des fonds d'émergence et aussi des agents de communication, notamment les journalistes, et aussi en intégrant comme faisant partie de cette bataille des organisations régionales en Afrique. Comme vous l'avez entendu, la communauté de Maasai, de la Tanzanie, et aussi le fait qu'ils soient chassés de leurs terres ancestrales en juin 2022. La solidarité avec la communauté, dans beaucoup de manières, nous avons appuyé le gouvernement des Maasai du Gabon dans leurs efforts de protéger leurs forêts traditionnelles et sacrées contre l'invasion. En Asie, nous avons répondu à beaucoup de demandants d'appui en Malaisie, nos membres Severiest et aussi l'ancien conseil membre Peter Palland faisait face à une procession illégale, des activités individuelles et aussi qui a pu se réunir avec sa famille en tant que vu que la junte militaire continue le régime militaire, les communautés autochtones ont organisé un événement parallèle durant la COP15 au Canada, à Montréal. Nous avons
fait une déclaration où notre ami a été illégalement détenu durant une protestation nationale d'Équateur. Nos amis aussi de Karagor faisaient face aussi à cette pression, y compris la fermeture force des organisations prominentes des droits de l'homme. En Europe, nos membres de Montenegro continuent leur effort vaillant pour pouvoir protéger leur terre pastorale et aussi au travers un campus de solidarité et aussi des pétitions. Au niveau international, nous continuons de faire partie de cette coalition. Un élément important, c'est surtout d'organiser un événement avec les femmes et aussi les défenseurs environnementaux au travers. Bien que nous sommes en train de faire de notre mieux en tant que secrétariat, malheureusement, nous avons beaucoup d'autres demandes d'appui, d'assistance à laquelle nous ne pouvons pas donner de suite. Et malheureusement, il est très compliqué, très intensif. Et c'est dû à l'intensité de notre travail. À un moment donné, nous devons entreprendre aussi des collaborations très étroites avec les organisations fêtières, les coordinations nationales et régionales, les membres de tous les niveaux. Nous allons continuer à rester aux côtés et appuyer les activistes communautaires qui défendent les territoires de vie dans le cadre de notre possibilité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Melika. Nous avons très bien entendu. On voit que l'Internet s'améliore. Et maintenant que nous avons eu des informations de nos trois amis, nous allons aller à la dernière partie de la partie du secrétariat. Nous allons entendre des autres membres du secrétariat avec tout le rôle, y compris Anjali, Arjul, Gaël, Sabiala, Sarah et moi-même. Avant tout, nous voudrons donner la parole à Mexico pour vérifier avec Anjali Dalos, qui va présenter le travail de la politique internationale. Amé est notre coordinatrice internationale politique pour 3 années et centime jusqu'en décembre 2022. L'année dernière, Amé a travaillé avec Carolina de Vegas et aussi Aquilas Kokomgomo dans l'équipe internationale politique. Amé, la parole est à votre. Très heureux d'être ici avec vous. Je vois des noms familiers et aussi des visages. Moi, je dois faire un résumé sur notre travail de politique internationale en 2022. Ça, c'est l'année dernière. Le travail, comme vous le savez, c'est un effort collectif qui commence avec les membres sud au terrain, notre équipe de coordinateurs régionaux et aussi nos membres honoraires et aussi nos politiques, nos équipes de politique internationale et le secrétariat. Tant parmi vous ont eu à participer à l'activité de plaidoyer et certains étaient directement impliqués. En 2022, notre équipe en comprenait Caroline Aquilas Kokongo en tant que point focal régional en Afrique et moi-même en tant que coordinatrice de politique internationale. Nous travaillons pour organiser des chats, des conversations, des échanges de pairs, d'échanges de connaissances pour pouvoir renforcer notre voix collective au niveau international. Comme vous le savez, depuis 2018, le consortium APAC a été activement engagé dans l'élaboration d'un cadre de biodiversité post-2022. Donc, ça a vu le jour à la COP15 en décembre 2022. 2022 a été une année très intensive. C'était une année de négociations très importantes, de discussions avec les alliés pour s'assurer que les priorités de nos membres soient reflétées dans le cadre. Et aussi, avec cela, ça nous a beaucoup aidé en tant que des avancées notoires ont été remarquées, aussi la protection des zones collectives et aussi au-delà des zones protectées et protégées, les membres de conservation, mesures de conservation des OECM. La reconnaissance de l'utilisation coutumière, la participation des femmes, des jeunes filles, des questions maritimes, des pêcheurs, la protection des droits, la protection des droits des défenseurs, des droits de l'homme. Et aussi, cela est un élément important. Mais nous devons conserver des standards minimums sur lesquels nous allons dépendre pour pouvoir construire et aussi faire partie de ces éléments. Dans le cadre de ce. Et vu que
Les voix de nos membres de leur territoire de vie sont fondamentales pour pouvoir avancer ce qui est accordé dans le cadre de CBD et aussi surtout au niveau national, au niveau sous-régional et même sur les territoires de vie que nous allons voir si les ambitions des cadres internationaux sont réalisées ou elles sont pratiquées. Dans les perspectives, nous allons continuer à nous focaliser en appuyant nos membres et aussi les gardiens des territoires de vie pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Et en conclusion, mon rôle en tant que coordinatrice internationale Carolina America et les coordinateurs, on va continuer à faciliter et appuyer vos engagements dans vos activités politiques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous tous. Merci beaucoup, Améa. On se réjouit de vous avoir aujourd'hui pour présenter les éléments. Nous donnons la parole à notre agent de communication Bangladesh en tant que coordinateur Ina Siraka, Melissa Tajef sont aussi font partie de cette équipe brillante. Et merci pour le rôle et au début de cette année. Arju, tu as la parole. Hello everyone. How do you have? Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de présenter au nom de l'équipe de communication, toute l'équipe, multimédia, coordinateur de médias sociaux et aussi nous avons préparé ce rapport ensemble dans au sein de l'équipe communication, nous travaillons avec les membres pour pouvoir assurer la visibilité, appuyer le rôle important tenu par nos différents membres, comme faisant partie de ce mouvement international pour la protection des territoires de vie, des communautés locales, et aussi mettre en place un système vertical de communication. Et cela a été reflété dans notre campagne de communication pour la confiance et aussi la biodiversité. Et COP15 et aussi au niveau national, notre adhésion, nos différentes organisations membres, au niveau coordination, au niveau régional, international, tous ont collaboré pour s'assurer que les voies et les priorités des gardiens des territoires de vie soient entendues au niveau international. Ça, c'est notre approche de collaboration pour l'équipe de communication au travers de toutes les places, que ce soit lié à l'adoption d'une stratégie pour pouvoir appuyer les communautés sous menace ou bien sur des études, sur la base des travaux engagés par les communautés et les membres, et aussi pour pouvoir obtenir et pour s'assurer que la défense des territoires de vie soit une réalité. L'année dernière, nous avons publié à peu près 136 articles au sein du consortium et aussi trois pages spéciales. Nous avons fait beaucoup de vidéos pour l'usage interne et aussi 60 vidéos sur notre YouTube et aussi sur d'autres plateformes de médias sociaux. Nous avons organisé des campagnes sociales régulières sur Twitter. Nous continuons à publier le contenu et mettre à jour et à entretenir notre site web et en tenant les différents éléments d'outils. Nous avons à peu près 80 lettres, newsletters et aussi des bulletins d'information et aussi avec nos différents structures. Donc, nous avons mis à jour et aussi nous avons utilisé des matériels à haut niveau. Pour ceci, je voudrais remercier nos coordinateurs linguistiques, Gaël et Daniela, et aussi nos nouveaux collègues du secrétariat de Latin-Amérique, Amérique latine, et l'appui assistance linguistique, Mathilde et Camila, et plus de 60 collaborateurs d'interprètes volontaires qui nous ont aidés avec la traduction, le proofreading et aussi l'interprétation simultanée pour des événements organisés physiquement, en présentiel et aussi en ligne. Je voudrais remercier Holly et les membres pour la valeur ajoutée à cet appui communication. Merci beaucoup de votre assistance personnelle. Merci. Merci Arju. Vous avez fait un travail extraordinaire durant
les dernières années. Comme Arji a dit, avec nos communications, nous avons cette assistante linguistique qui, à un même moment, est devenue très importante pour notre travail. Gaël, Daniela, ce sont notre coordinatrice d'assistance linguistique qui travaille avec un groupe de collaborateurs, de volontaires. Nous, on les voit en action avec leur assistance et interprétation durant l'Assemblée générale. Et je suis la chargée de coordination et aussi pour pouvoir nous guider dans ce sens. All the volunteers and collaborators will support the linguistic work of the consortium. So you can see part of them on the screen. So there are translators, editors, proofreaders, subtitlers, and interpreters. And in total, like Arju said, it's around 60 people who support us now according to their possibilities, abilities, and interests. We also want to celebrate the collaboration with Camila Miranda Reyes as linguistic support assistant for Spanish. We work closely with Ania Campos Coordinatrice. And the collaboration with Mathilde Crafter, who joined the team in January as a linguistic support assistant for French, who is working closely with Maria. So in Another important update is that the guidance on self-training processes was translated into Chinese and Spanish. And this year, we hope to publish this guidance in Russian, Hindi, Swahili, and Portuguese. I would also linguistic support request in advance, as we cannot plan interpretation and do translations from one day to another. Apart from really exceptional cases like so I invite you to make the most of this support in multiple languages. Thanks again to all the volunteers and collaborators for providing linguistic support, and especially to the volunteer interpreters supporting us today with two new languages for this TA, Italian and Russian, and ad hoc for Portuguese in previous sessions, in addition to the three languages in which we usually provide interpretation, that is Spanish, French, and English. So, just to conclude, over the past few years, linguistic support has become increasingly central to our collective work, and this part of the team has grown accordingly. The next challenge now is expanding to additional languages. We are already undertaking this step with various colleagues from the regional teams, in line with our capacities and as part of the ongoing regionalization process, with the intention of developing a decentralized approach to linguistic support systems. Thank you. Thank you so much, Gael, Daniela, and all of our dedicated linguistic support collaborators and volunteers.
Next, we will head to Spain to hear from Xaviera, our administration coordinator. Xavi picked up the baton with this role at the start of this year and will report on the work undertaken in 2022 by her predecessor, Alison Powell. Thank you, Holly. Hello, everyone. I am Xaviera Elorza, administration coordinator for the ICCA Consortium since January 2023. Today, I will be presenting the administration report based on the dedicated hard work of my predecessor, Alison Powell, who held the position from October 2020 until the end of 2022. The main responsibility of the administration coordinator is to provide several forms of administrative and logistical support for the membership, the council, the secretariat, and consortium events. In 2022, Mesdames et Messieurs les Francophones, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Le secrétariat, y compris l'organisation, la contribution à l'agenda, le matériel et aussi la facilitation et l'appropriation pour les contenir avec l'accès. Et aussi pour pouvoir améliorer notre membre. Et aussi pour notre activité internationale et aussi les communications internationales et aussi deux membres. Voilà, donc ça, ce n'est pas seulement une tâche très facile. Hein. On reçoit, on vérifie toutes les demandes de nouveaux membres et aussi la nomination de nouveaux membres et la coordination de ce comité. Et aussi pour procéder un total de 28 membres et 35 membres honoraires ont rejoint le consortium l'année dernière. Ils étaient présents au travers des activités publiques. Des éléments importants et que c'est la présentation de nouveaux membres. Et Alice et compagne ont analysé à peu près 55,7% de ces membres-là ont reçu des réponses et aussi pour des activités suivies par l'équipe de coordination. Les résultats qui ont été présentés dans le rapport du comité devant l'Assemblée générale en marche. Un autre élément très important de ce rôle, c'est surtout d'assister à l'organisation aux événements, notamment l'Assemblée générale. Dans ce sens-là, nous avons reçu la plus grande association. Ce processus est très inclusif et très accessible, un mutuel qui nous a permis aux membres de passer en revue les rapports et aussi d'être impliqués dans le renforcement des capacités et aussi nous aider à organiser les événements. Donc, c'est juste dans le portfolio et n'est pas vu et n'est pas visible, mais nous pouvons sentir et apprécier les changements qui ont été apportés dans ce sens. Donc, saisissant l'opportunité, je voudrais dire merci beaucoup. Et aussi les nominés de soumission ont été partagés avec les membres le 1er juin. C'est la fin. Si vous n'avez pas fait pour ce nous vous demandons de réviser et d'exprimer vos sentiments pour cela. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, tout en demandant aux présentateurs de faire un peu doucement pour le besoin de traduction. Merci beaucoup. Espérant que nos amis francophones nous entendent, on avait un souci de micro, toutes nos excuses. Merci d'avoir fait ce travail extraordinaire et aussi prendre ce en appuyant notre. Donc, nous allons rester en Europe et aussi en Suisse où nous sommes enregistrés. Nous allons entendre de nos amis, nos coordinatrices d'opération qui vont partager avec nous quelques éléments de mise à nous sur les finances et au nom de notre coopération de l'équipe finance qui inclut Mercedes, l'ALBA et MESDAF. Merci beaucoup. La parole est à vous. Hello. 2022 a été dominé par la formation de notre compte bancaire suisse et la transition vers un sponsor fiscal en Europe. Comme cela a été partagé l'année dernière, la banque Swiss Bank nous a notifié qu'en fin 2021, qu'ils vont fermer le compte consortium, même si nous n'avons rien fait de mal. Donc, nous avons changé le système de banque. Le consortium a été considéré comme étant très risqué pour la banque au vu de la composition de nos conseils, le nombre des pays où nous envoyons des fonds.
Donc, Holly et moi, nous avons donné priorité pour pouvoir faire face à cette situation sur toute chose parce que nos opérations ne peuvent pas continuer sans un compte bancaire. Donc, nous avons parcouru beaucoup d'autres options et la seule option, c'est surtout de transférer nos activités à un sponsor fiscal qui va nous donner accès non seulement à un compte bancaire, mais aussi au statut non-profit. Nous avons trouvé le meilleur sponsor avec Rockefeller Foundation Philanthropy. Oli et nous ne pouvons pas considérer que cela comme cette situation était très dangereuse, mais si nous n'avons pas cherché cette solution, ça aurait été très difficile parce que le système bancaire a élargi, mais aussi dû à la complexité administrative du consortium. Durant toute l'année, ce processus nous a demandé assez de temps, de l'énergie, du temps, et nous a empêché même de travailler sur d'autres priorités organisationnelles. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tout nos systèmes est en marche aujourd'hui et nous en sommes très satisfaits. Et vu les améliorations que nous avons pu apporter en 2022, Dans ce premier diapositive, vous pouvez voir les dépenses totales des milliers de dollars. Il y a eu une augmentation de 2000 à 2021 et aussi une autre augmentation similaire en 2022. Ça, c'est le résultat de nos différentes ressources d'avoir des relations fortes avec nos bailleurs de fonds et de sécuriser les opportunités des bailleurs de fonds aussi pour nos capacités. Nous avons sécurisé des montants importants pour 2023 et 2024. Dieu merci. Et voilà, diapositive 2, vous voyez en 2022 les différentes dépenses sous les catégories budgétaires. En janvier 2022, nous avons augmenté les rémunérations pour l'équipe de coordination. Il y a toujours en dessous de ce qui est attendu quand même. Nous avons investi dans d'autres assistances au secrétariat, spécialement dans le cadre de communication et aussi d'appui linguistique pour pouvoir renforcer nos capacités internes. Nous avons investi systématiquement dans la régionalisation du processus, particulièrement physiquement au niveau national, au niveau régional, dans différentes assemblées. Nous avons apporté des subventions aux réseaux nationaux et aussi aux équipes nationales de coordination pour pouvoir engager des activités aussi. Les dépenses de participation des événements internationaux ont augmenté vu les restrictions de pandémie, aussi le système des Nations Unies, et nous avons recommencé les négociations physiques. Vous voyez quels sont nos bailleurs de fonds qui nous ont apporté une assistance financière depuis les opérations financières ont commencé en 2012. L'année dernière, nous avons eu de nouveaux financements avec aussi un nouveau fondateur financier avec de nouveaux bailleurs de fonds. Finalement, donc nous avons engagé beaucoup plus de façon active dans les activités de plaidoyer et aussi de secteur philanthropique, y compris des appuis flexibles et aussi des philanthropies basées sur la confiance et aussi des financements directs à nos organisations communautaires autochtones, la transparence, la redevabilité qui va à des organisations beaucoup plus larges à niveau international, etc. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Thank you, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Nous allons rester avec vous pour parler de l'appui et aussi l'appui de l'équipe. Merci beaucoup. Oui, en 2020, nous continuons à encourager les membres à réfléchir leur rôle. Donc, nous discutons des questions importantes concernant les idées. Comment est-ce que nous allons améliorer notre culture interne. Nous avons travaillé avec beaucoup d'amis pour adapter les rôles et les responsabilités pour pouvoir les aligner avec les besoins de l'organisation et aussi avec chaque passion de personnel et aussi de leurs capacités, leurs compétences et aussi avec un engagement de temps. En matière de changement dans le secrétariat international et des co-collaborateurs, 4 personnes ont fini leur rôle et sont parties
partie en 2022 ou bien début 2023. Et 7 personnes aux nouvelles ont rejoint l'équipe. Nous avons des postes de vacances et aussi en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et aussi Maurice, le rôle de Maurice a fini en 2022. En Europe et en Amérique du Nord, les postes de vacances ont des grandes attentes de rémunération et aussi un engagement. Mais nous avons un développement très positif avec tous les coordinateurs régionaux qui travaillent dans une approche d'équipe collaborative avec un focus pour les responsabilités partagées, la construction de la nouvelle génération de leadership. Donc, nous voudrons dire bienvenue aussi à de nouvelles équipes de coordination en Asie et aussi de l'île. À la fin de l'année dernière, le groupe d'ICITA a quitté son rôle de coordination et a commencé le nouveau rôle cette année en tant que coordinatrice interrégionale. Vu que c'est au-delà de la portée de 2022, les discussions sont en cours au sein du secrétariat comment adapter et renforcer certains aspects de nos problèmes et d'assistance. Et nous allons partager beaucoup plus d'informations très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre très aimable attention. Thank you so much, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Juste faire petit commentaire. Oui. Juste avant de donner la parole à Colin, vous allez venir très bientôt. La dernière partie de notre secrétariat. Share some very brief kind of additional reactions or reflections rather. I just want to do a time check. Donc je voulais simplement ajouter donc quelques réflexions. Alors laissez-moi regarder l'heure. So I really mostly just want to send je vois que nous sommes un tout petit peu en retard. In our secretariat, all of our collaborators and volunteers. For another year of donc voilà, ces réflexions seront très brèves. Donc merci au travail de tous nos collaborateurs déjà. Alors comme vous l'a dit Sarah, l'an dernier, nous avons dû nous concentrer vraiment donc, sur la transition vers ce sponsor fiscal, ce qui nous a vraiment pris beaucoup de temps et nous a pas permis donc, de vraiment nous engager sur d'autres thèmes. En tout cas, nous sommes très heureux de voir comment des équipes ont émergé pour donc, reprendre le relais. Et je voulais simplement voilà, vraiment souligner cela. Et donc, remercier la manière dont les équipes ont merveilleusement repris la main et donc ont réussi à évoluer hein, dans une situation complexe. Et donc, vraiment, d'avoir travaillé avec vous tous et vous toutes a été une des plus belles chances de ma vie. Donc, merci encore hein, pour cette inspiration que vous êtes. Alors, je sais que vous avez de grandes demandes et des attentes très importantes hein, auprès du secrétariat et parfois nous ne pouvons pas répondre à tout cela, mais je veux vraiment vous assurer que nous faisons tous ici dans l'équipe du mieux que nous pouvons et je vous encourage à vraiment donc avoir de la compassion avec notre équipe du secrétariat. Et donc, j'invite tout le monde également à avoir cette compassion dans nos relations pour que tout fonctionne bien et pour vraiment nous prendre soin les uns des autres. Nous avons beaucoup parlé hein, de la culture d'équipe interne. Il y a vraiment des aspects très intéressants et très encourageants au sein de cette culture. Nous pouvons voir l'engagement, la responsabilité, la manière dont chaque personne prend à cœur son rôle.
Donc toutefois, il faut aussi être honnête face donc à des aspects qui sont plus malsains et qui pourraient également être dangereux dans cette culture interne, donc qui sont là depuis le début du consortium et qui persistent encore aujourd'hui malgré plusieurs améliorations. Donc, entre autres choses, le secrétariat est souvent confronté à des attentes et des exigences très élevées qui sont parfois irréalistes. Nous avons aussi une hiérarchisation, une concentration qui sont insuffisantes. D'un autre côté, le taux de rémunération est très bas dans de nombreux pays. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre de travailler à plein temps avec nous. Et cette culture de l'épuisement professionnel est malheureusement très courante et très répandue dans tous les mouvements sociaux d'ailleurs et dans tout le secteur non lucratif en général. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri de ce phénomène. Il y a donc une dépendance excessive à l'égard d'un nombre très petit, très restreint de personnes sur certains rôles et pour certaines responsabilités. Nous avons également fait face au manque de contacts personnels qui sont vraiment nécessaires à l'instauration d'une confiance durable, d'un esprit d'équipe. Nous allons voir donc cette année et puis l'an prochain comment reconnecter, comment faire face à cela. Et comme nous l'avons entendu lors de la cérémonie d'ouverture, l'unité est la base pour tout ce que nous souhaitons faire dans les années à venir de manière collective. Donc, je voulais simplement mentionner ces quelques points pour que tout le monde en soit conscient. Nous allons bien entendu continuer à en parler, à détailler tout cela avec le secrétariat, le conseil, tous les membres, car cela fait partie du processus lancé donc de réflexion autour de notre organisation. Nous avons donc le soutien de Malia Sali sur ce projet et comme nous l'a dit Patricia, le jeudi prochain, donc le 8 juin, nous aurons une réunion, nous en discuterons encore plus en profondeur. Ce sera donc une belle opportunité d'avoir le temps de vous entendre, de discuter, de voir de quelle manière soutenir le travail collectif. Et ensuite, donc, comment dessiner notre vision pour le futur et la mettre en pratique de manière collective et soutenir encore plus tout le travail du consortium. Donc, je suis ravie et je remercie tout le travail qui a été fait l'an passé. Merci aussi à Patricia pour ce travail de cette année. Je suis ravie de voir à quel point notre équipe internationale a grandi. Et donc, voilà, je voulais vous remercier à nouveau. Et vraiment, merci du plus profond de mon cœur pour le travail incroyable que vous faites tous. Donc, merci, merci encore. Nous allons donc conclure ce rapport du secrétariat 2022. Et donc, je vous encourage, j'ai oublié de dire cela plus tôt, mais je vous encourage donc à bien lire les rapports qui ont été partagés. Ils sont tous sur Lumio. Vous avez les liens qui ont dû vous parvenir par mail. Vous avez tous les détails et les présentations complètes donc sur Lumio. Voilà, et nous serons ravis de répondre à des questions s'il y en a par la suite. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Colline qui va vous présenter donc le rapport du trésorier pour 2022. Merci, Colline. Merci beaucoup, Holly. Merci à tous nos membres. Merci donc aux rapports qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Donc, la parole est ouverte s'il y a des questions ou des commentaires sur les rapports qui ont été faits, donc les rapports du secrétariat. Don't see any questions.
Eh bien, je ne vois aucune question ni commentaire. If there are no objections, the, donc, s'il n'y a aucune objection, je vais peut-être déjà commencer par demander s'il y a des objections au rapport qui ont été présentés. And if not, the 2022 secretariat report is... Et s'il n'y en a pas, eh bien, le rapport 2022 du secrétariat est donc adopté. Okay, so at this point, I need to switch hats from. Parfait. Eh bien, je vais donc changer de casquette maintenant, et donc vous présenter le rapport 2022. Donc, if those could be, donc le rapport financier. Voilà, merci. Je crois que tout le monde voit mon écran. So, the 2022 has already been mentioned. Donc, comme cela a déjà été mentionné, principalement par Sarah. Et comme vous le savez tous et toutes, en 2022, les comptes bancaires du consortium APAC en Suisse ont été fermés de manière unilatérale par donc la banque. Et nous sommes donc devenus un projet sponsorisé par la RPA, donc la Rockefeller Philanthropy Advisors, basée à New York. Nous avons donc maintenant nos comptes en dollars avec la RPA. Et donc, le consortium APAC n'a plus de présence opérationnelle ni financière en Suisse. Toutes les opérations et les finances sont gérées par la RPA. Our finances, of course, there is still a legal incorporation in Switzerland. Toutefois, nous avons encore une figure légale en Suisse. Alors, le rapport annuel du trésorier, 1er janvier au 31 décembre 2022, consolide les comptes de recettes et de dépenses du consortium APAC qui ont été donc audités, ainsi que ceux de l'RPA, qui n'ont pas encore été audités. Toutefois, nous avons combiné tous ces comptes dans ce rapport pour que vous puissiez avoir un aperçu général de l'année 2022. Alors, le bilan qui n'a pas encore été audité au 31 décembre 2022 a été préparé donc par RPA et le consortium APAC. Toutes les conventions de subvention ont été entièrement donc, transférées à l'RPA. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà un aperçu général du statut des comptes hein, de l'organisation. Vous pouvez voir donc tous nos fonds en dollars. Donc, fin 2022, nous sommes à 998 000 dollars comparé à 715 000 en 2021. Vous voyez qu'il y a donc eu une augmentation des fonds restreints. En comparaison, les fonds illimités ont connu donc une baisse. Ils ne sont plus qu'à 68 000, plus ou moins, en 2022, comparé à 83 000 en 2021. Donc, le total en 2022, c'est un peu plus d'un million, comparé à quasiment 800 000 en 2021. Passons donc au bilan. Nos contributions recevables hein, qui sont sur la gauche
correspondent donc aux fonds qui ont été donc promis par des donateurs, mais qui n'ont pas encore été reçus. Les atouts nets sont donc la différence entre les actifs que nous avons ou que nous allons recevoir et ce que nous sommes engagés à payer. Donc le total des actifs est à peine plus que 2 millions de dollars. Total net assets 1.8 million and that in the balance sheet adds up to the just over $2 million. Et donc vous pouvez voir sur le tableau de droite le détail de ce total des actifs. So incomes and expenditures. En ce qui concerne donc les rentrées et les dépenses. Investments line on the left refer to income received from the capital preservation. Donc sur les lignes de gauche, vous pouvez voir donc les contributions reçues. On the left, of course, is from contributions from donors. Qui sont donc les contributions de donateurs. Donc, nous avons reçu plusieurs subventions pour 2022 et également 2023. Et donc, le surplus de revenus comparé aux dépenses. Et donc, vous pouvez le voir dans la dernière ligne du tableau de droite. Here we have a pictorial breakdown of expenditures in 2022. À la diapositive suivante, vous pouvez voir donc le détail des dépenses en 2022 qui monte à 1,247 million dollars. Donc vous pouvez voir qu'une grande partie va en paiement donc de consultants. 385,000 roughly. Qui compte donc environ 385 000 dollars. Nous avons environ 163,000 à 164,000 dollars qui vont pour donc le suivi des subventions. Le reste est assez petit, donc la dépense la plus grande sont donc les sous-subventions. Sur cette diapositive, vous pouvez voir donc le statut des subventions à usage restrictif. Encore une fois, ici, nous combinons ce qui a été reçu au travers de la RPA et au travers des comptes du consortium lorsqu'ils étaient encore en Suisse. Donc, vous pouvez voir que donc, ces activités sont très diverses, sont grandissantes, qu'il y a de plus en plus de donateurs de divers horizons. Vous pouvez voir Oak, GSI, même des donateurs anonymes. Nous avons Packard, Sweet Bio, Christensen, ILC, Synchronicity Earth, FPW, Natural Justice, etc. Our total expenditures were affected by a few factors. Donc le montant total de nos dépenses ont été affectés par donc les sous-subventions accordées aux organisations membres, donc principalement pour l'initiative communautaire pour la pêche, les coûts de soutien aux organisations membres dans de nombreux pays, également pour nos équipes de coordination régionale, principalement lors du deuxième semestre de l'année. Ces coûts donc avaient déjà été comptabilisés en tant qu'honoraires de consultants. Nous avons également un soutien à la participation qui comprend également l'aide à l'interprétation à la Conférence des Nations Unies sur les océans et à la COP 15 de la CDB.
levies et autres réunions. En plus de tout cela, donc, il y a des frais d'administration sur les revenus perçus par le consortium. Ce montant total était de $107,000 en 2022. En ce qui concerne donc, le soutien linguistique, donc interprétation et traduction, pour la participation des membres et des membres d'honneur aux réunions, événements internes et externes, en 2022, donc ces dépenses se sont élevées à plus de $30,000. Quant aux fonds non affectés, ils ont été utilisés pour payer des dépenses qui ne pouvaient être allouées à aucune des subventions à usage restreint, principalement $18,804 pour les paiements aux équipes de coordination régionale, $2,705 pour les frais bancaires et autres dépenses administratives, et un peu plus de $39,000 pour donc le paiement de la TVA pour donc toute la période de 2007 à 2021. Donc voilà, ces paiements sont maintenant faits. Alors sachez que le rapport annuel du trésorier, le rapport complet pour janvier à décembre 2022, est disponible sur simple demande. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Donc, je reprends maintenant la casquette de président de cette assemblée et je souhaite vous demander si vous avez des questions, des commentaires. Marco, je vois que ta main est levée. Ainsi que la main de Delphine Ganapin. Alors, merci beaucoup, Colin, donc, pour ce rapport hein, et merci à tout le secrétariat pour ce magnifique travail qui a été fait. J'ai simplement donc, une question sur les aspects techniques et financiers. Alors, je crois que j'entends la traduction en italien ici, donc je vais peut-être changer de canal. Voilà, parfait. Donc, la question, c'est que, donc, avec ce sponsor fiscal basé aux États-Unis, est-ce qu'on pourra avoir un problème là si on renvoie des demandes à l'Union européenne? Parce que donc, d'un point de vue financier, je me demande si ce n'était pas plus intéressant d'être donc basé en Suisse, par exemple. That are associated into the project should be from certain countries, most likely European countries. Et donc, lorsque les demandes viennent des pays européens, comment cela va se passer? Yes. Oui, alors tu parles donc de donneurs potentiels, c'est cela? Oui, tout à fait. Peut-être que nous devrons simplement donc, revoir notre manière de faire, car donc, nous avons des universités, des ONG qui sont basées en Europe. Oui, alors ça, c'est une question très intéressante. J'imagine que ce n'est pas la première fois que cela arrive pour RPA. J'imagine qu'ils ont déjà eu ce type d'expérience.
Mais je ne sais pas s'il y a d'autres donc, commentaires là-dessus. Holly, peut-être, est-ce que vous avez entendu donc, ce type de commentaires? Oui, alors Marco, peut-être que nous pouvons en parler un peu plus donc, en privé, parce que cela est vraiment lié donc, à la région Europe. Mais oui, en effet, on a un peu une espèce de désordre de personnalité au sein du consortium, dans le sens où ce n'est pas toujours évident. Alors, il faut se rappeler que nous avons un statut légal en Suisse, hein, donc nos statuts, les statuts de notre organisation sont toujours enregistrés en Suisse. Et tout ce qui est lié donc au financement peut donc passer par cette personnalité juridique, même si ce n'est pas lié à un compte bancaire. On peut donc voir qu'il y a toujours une base du consortium en tant que organisation non lucrative. Mais nous avons aussi donc maintenant cette figure aux États-Unis au travers du compte bancaire. Donc nous pouvons en reparler à un autre moment pour voir de quelle manière cela va fonctionner. Et bien entendu, je serai disponible pour plus d'informations. Delphine. D'accord, merci beaucoup, Holly. Delphine. Oui, merci beaucoup, Colin. Merci pour ce rapport. Alors, je suis curieux simplement. Il me semble qu'un de nos plus grands financeurs n'apparaît pas donc sur les schémas, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment eu le temps de voir, mais l'organisation donc GSI, les financements de la GSI m'ont paru assez bas. If you have a very low utilization from that funding, you cannot go back and ask for more. Le problème aussi dans les phases donc, de la GSI est que il faut utiliser les fonds parce que sinon après on ne peut pas diminuer puis ensuite demander plus. Donc je ne sais pas s'il y avait là voilà, ma question était plus donc sur le financement de la GSI. Merci pour cette question. Donc je regarde les schémas ici. Donc, il me semble que ce que nous avons reçu de la GSI a été complètement utilisé. Hein. Donc, peut-être que tu parles donc de la portion qui a été reçue depuis que nous sommes passés à la RPA. Parce qu'en effet, de ce que nous avons reçu, tout n'a pas encore été utilisé. Donc oui, je comprends ce que tu dis. En effet, il faut utiliser les fonds. Mais j'imagine qu'il y a ici une explication pour cela. Oui, merci Delphine pour la question. Donc cela est dû donc à des questions logistiques et des questions de timing, hein, car lorsque la subvention de la GSI est arrivée, nous n'avons pas eu le temps de travailler sur d'autres projets. Comme nous l'avons dit, nous étions dans la transition vers le RPA. Et il y a eu toute une étape donc, pour faire approuver nos comptes et toutes les différentes subventions. Donc c'est là l'explication. Donc notre dernier accord est allé jusqu'à juin 2021, puis le suivant n'a pas commencé avant septembre 2022 pour des raisons administratives principalement, parce que nous n'avons pas pu donc signer l'accord avant. C'est pour cela que nous avons reçu les fonds plus tard. Et c'est pour ça donc, que nous devons donc réajuster l'agenda ici. Et nous l'avons utilisé principalement pour des thèmes de coordination.
mais nous avons encore jusqu'à novembre de cette année, donc cette subvention sera dépensée, il n'y a pas de problème là-dessus. Fausto for Sarayaku. Merci beaucoup pour cette réponse. Sarayaku, Fausto Sarayaku, on vous écoute. Oui, alors bonjour tout le monde, merci encore pour ce rapport, ce résumé tout à fait clair et compréhensible. Dans cette réunion, je voulais donc faire deux propositions. Donc autant à tout le consortium qu'au secrétariat général. Donc la première proposition, eh bien, les territoires de vie des peuples autochtones font face à des menaces très grandes de la part des entreprises donc, qui exploitent hein, les mines et le pétrole. Nous voyons cela en Amérique du Sud, mais je sais que dans les autres régions, nous avons le même problème. En Équateur, nous sommes en train de travailler sur une loi qui reconnaisse le droit intégral au territoire des peuples autochtones pour que donc le gouvernement reconnaisse cela comme une catégorie à part de conservation et que ces territoires soient libres hein, de tout type d'exploitation et à perpétuité. Parce que cela, en plus d'être une menace pour nous, c'est aussi une contribution au changement et aux crises climatiques. Donc, il me semble que nous devrions consolider cette proposition, c'est-à-dire donc la reconnaissance de la part des gouvernements et des États des territoires de vie autochtones. Donc, ma proposition, c'est vraiment d'unir nos efforts pour cela. Le second point, c'est que les peuples autochtones et les communautés locales travaillent sur une proposition pour proposer un mécanisme de financement propre. Et demander des fonds climatiques, donc des différentes organisations, mais aussi des philanthropes et toute autre entité qui souhaite donc appuyer, soutenir la conservation des territoires de vie et leur protection. Je pense donc qu'il faudrait travailler à un thème de financement propre pour que les peuples autochtones aient un accès direct à ces fonds. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans la convention cadre, il n'y a pas d'accès au financement de la part des peuples autochtones. C'est pour ça que je propose que donc, le consortium APAC et tous ses alliés travaillent sur un mécanisme de financement direct et donc de cette manière exiger depuis le consortium APAC le droit des peuples autochtones à leurs terres au travers de ce mécanisme propre de financement pour capter les fonds climatiques. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Thank you, Fausto. Those are really crucial. Merci beaucoup, Fausto, pour ces points très importants. Il est très clair que nous avons besoin d'une attention stratégique dans les investissements qui sont donc nécessaires pour nos membres en termes de biodiversité et également de capture de carbone. Donc, ce sont bien entendu des questions donc, de politique hein, qui vont au-delà de cette séance, c'est très certainement. Nous avons donc une réunion du Conseil qui arrive bientôt. Nous pourrons peut-être en parler à ce moment-là. Je n'ai pas là sous la main l'agenda pour la prochaine session. Peut-être qu'il y aura un moment pour en discuter. Peut-être que Oli, tu as un commentaire? Comment procéder? Yeah,
also the excellent points, both of them. And oui, c'est un point excellent qui a été soulevé. Hein, et je pense que le temps passe. Je pense que ça serait très intéressant. Peut-être nous allons devoir organiser une session beaucoup plus dédiée pour pouvoir discuter en détail et aussi parler de certaines questions de pratique hein, pour les responsabilités et aussi les mesures de financement spécifiquement liées aux besoins des différentes régions. Donc, il y a beaucoup de financements qui sont dirigés par les organisations autochtones. Il est très important de voir la collaboration centrale et aussi peut-être cette idée de nouveaux fonds spécifiquement qui est liée à la vie de territoire. Beaucoup d'idées excellentes, beaucoup d'opportunités. Il serait très important quand même si nous pouvons organiser une session séparée où nous allons avoir assez de temps pour pouvoir discuter de ces questions pécuniaires importantes. Merci beaucoup. Hein. Merci, Holly. Oui, donc si à ce moment, je peux demander s'il y a des objections sur relativement à ce rapport financier, rapport du trésorier général. Sinon, nous allons devoir adopter cela. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Y a-t-il des objections? Voilà, merci, mesdames et messieurs. Bien sûr, Mark Foggen, notre auditeur, et aussi va présenter son rapport d'audit à l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Très heureux de vous rencontrer. Mark Foggen, je suis membre honoraire du consortium et l'auditeur principal des comptes et aussi. Ça, c'est mon rapport annuel au nom des membres pour le compte du consortium en 2022. Chers collègues et partisans, en tant qu'auditeur du consortium, j'ai passé en revue les comptes et aussi le rapport financier qui m'a été soumis, y compris le rapport de trésorier. Sur la base de mes examinations, des documents qui ont été partagés, j'adhère avec le rapporteur que ceux-là sont en lien avec les exigences financières et aussi avec notre processus de financement, avec la reconnaissance de la transition des opérations en 2022. Un rappel, le rôle principal que j'ai en tant qu'auditeur, c'est surtout de passer en revue au nom de tout le monde, de tous les membres, si les comptes de consortium sont clairs, concis. Sur la base de revue en 2022, nous avons bénéficié d'appui beaucoup de bailleurs de fonds généreux. Bien sûr, nous avons des anciens bailleurs de fonds, nous avons de nouveaux, notamment Fondation Oak, mais je voudrais aussi, je ne vais pas répéter toutes les semaines, nous apprécions beaucoup l'assistance de ces bailleurs de fonds. Comme cela a été expliqué dans le rapport des trésoriers, au-delà des projets continus et d'autres activités en cours, nous sommes passés d'une transition, nous sommes passés de Suisse vers les conseillers du système RPA et toutes nos opérations sont gérées et reportées sous le RPA. 2022 a présenté certains défis supplémentaires durant cette transition avec la mise à disposition de fonds pour les projets de subvention et aussi avec les activités de transition. En ce moment, tous les projets de consortium, les comptes sont consolidés au sein de RPA et aussi avec un bilan financier très clair et très pertinent disponible. Beaucoup plus de revues d'été, des changements liés aux opérations, comment est-ce que l'assistance financière est apportée et aussi la revue des dépenses et de financement, les tendances de financement et de dépenses avec les nouvelles subventions. Tout ceci ont été fournis comme requises. Sur la base de ma revue qui a été engagée au nom du consortium, le consortium, le compte de APAC semble être dans un ordre acceptable, clair. Et nous vous envoyons toutes nos appréciations de nos différents collègues, Colin Scott qui vient juste de présenter, et aussi toute l'équipe financière. Et Mayer qui est le comptant
de APAC jusqu'en octobre 2022. Il était en charge de garder les comptes, de suivre les comptes pour le consortium APAC, les opérations, et de suivre jusqu'en octobre 6 octobre 2022. Le RPA a repris la responsabilité pour garder les comptes et aussi pour procéder aux activités au niveau des États-Unis. Récemment, Mercedes et Alba, elle a consolidé les deux, le rapport financier pour donner une vue d'ensemble de tout. Je voudrais dire merci à tout le monde d'avoir pu quand même garder ces activités de façon très claire et toutes les procédures opérationnelles ont été respectées. Comme les années précédentes, au-delà des questions financières, je voudrais mettre en exergue le travail, comment le travail a été appuyé, comment est-ce que le secrétariat est très utile à assister, et combien les efforts qui ont été mis en avant ont été très importants. Tout ceci ont été pris en compte dans le cadre de ce rapport financier. Et la fondation de consortium APAC au niveau régional, au niveau international, et nos différentes réalisations seront l'engagement de tous et pour un appui beaucoup plus éclairé pour le territoire de vie. Avec ces mots, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour votre diligence et aussi votre apport opportun. Merci beaucoup à Mercedes et Alba, notre coordinatrice de finances, d'avoir aidé à élaborer, à compiler ce rapport trésorier et aussi l'auditeur général des comptes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des objections, mesdames et messieurs, relativement à la présentation de ce rapport d'auditeur, comme Marc vient juste de le procéder. S'il n'y a pas d'objection, donc le rapport est adopté. Avant qu'on ne continue à la deuxième partie de session de la session, nous allons prendre une pause très rapide. Donc, amusez-vous avec la musique et nous serons de retour dans 5 minutes. Mais, s'il vous plaît, prenez un moment de remplir l'enquête qui a été partagée dans le chat. Vous pouvez donner vos points de vue, vos appréciations de la première session, de la deuxième session aussi, en fin de l'avril aussi, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur le lien et on se dit dans 5 minutes, mes chers amis. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Bon retour parmi nous. Espérant que vous avez toujours le jus de pouvoir participer. Nous entendons l'interprétation russe dans nos différents casques là. Cameras open, please. Donc nous sommes là. We seem to have a lot of shy participants. Nous avons beaucoup de participants timides là, hein? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être parmi nous et bien bon retour après cette petite pause. Not sure. We still have a minority of people with their cameras open. Shall we just go ahead with the photo? Donc nous avons toujours une minorité avec des gens qui ont leur caméra ouverte. Est-ce que nous allons continuer avec la photo ou bien continuer avec l'agenda? Oh, we can just take it. Si vous pouvez juste allumer vos caméras pour la photo. Can someone signal when that's been done? Est-ce que vous pouvez nous dire quand quelqu'un peut nous dire si cela est fait, bien quand tout le monde est prêt pour. Thank you. Oui, j'ai déjà pris quelques photos quand même.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Oui, nous allons passer présentement à l'élection des membres du conseil. Avant tout, je voudrais rappeler comment est-ce que les décisions sont prises au sein de notre Assemblée générale. Nous avons revu cela durant la première session et l'information est présentement disponible sur Lumien pour votre référence et nous allons avoir un grand nombre de décisions à prendre aujourd'hui, l'élection des membres du conseil et aussi la nomination de l'ordre du conseil et des aînés, conseil des aînés aussi qui sera effectif jusqu'à la prochaine l'Assemblée générale. 2024, le processus de prise de décision pour toutes les décisions principales, majeures et structurées autour de concepts principaux, forum et le quorum et le consensus. Et pour toute décision qui est prise par l'Assemblée générale, pour qu'elle soit valide, il est nécessaire d'avoir. Oui, j'ai des échos du français. Est-ce que vous pouvez vous assurer que vous avez vous invitez les francophones, s'il vous plaît, vous pouvez vous inviter. Très bien, je vais continuer. Il est nécessaire d'avoir le quorum pour des prises de décision. Ça veut dire que nous exigeons un cinquième des membres pour participer dans chaque prise de décision de l'Assemblée générale. Cela pourrait être aussi à l'Homéopole ou durant l'Assemblée générale en présentiel. Donc, nous avons besoin de la participation de 38 membres d'organisation pour avoir le quorum. Sur la base du consensus, nous considérons que cela est réalisé quand nous avons un accord général et aussi comme étant manque de décision aussi dans le cadre de la prise de décision. Ce consensus est sur la base de tous les membres honoraires qui veulent aussi de façon constructive vouloir contribuer. Pour la prise de décision, nous avons un espace pour des discussions, nos membres honoraires qui se passent dans l'événement de l'Assemblée générale au travers les votes de l'UMIO et aussi durant l'Assemblée générale où vous pouvez aussi vous exprimer en levant votre main, en intervenant ou bien aussi en écrivant dans le chat. Au cas où il y a des objections avant l'Assemblée générale, nous allons essayer de comprendre et de résoudre ces problèmes et de faciliter les discussions sur la base des motions et des objections qui sont faites et proposer des alternatives pour s'assurer que tout le monde qui soit présent ici ait satisfaction sur l'accord. S'il n'y a pas d'objection, le consensus est assumé et nous continuons à la confirmation de décision en posant des questions aux membres de pouvoir seconder l'émotion pour pouvoir approuver à la dite décision. Espérant que cela est très clair, mesdames et messieurs, et voilà, c'est ça, c'est la procédure. Aujourd'hui, l'élection d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, sera pour six représentants régionaux qui ont été nominés au travers le processus de régionalisation et en lien avec nos procédures de gouvernance. Nous allons avoir un autre groupe d'élection de conseils durant les quatre et aussi à la dernière session de l'Assemblée générale avec les nominations qui seront reçues à la date d'aujourd'hui. Pour s'assurer que nous sommes tous au même niveau de compréhension, je vais partager une petite explication de comment est-ce que la nomination des conseils se passe. Nous, avec l'assistance de Saviera, nous allons avoir une discussion avec les nominés. Je vais appeler pour des besoins de questions de nos différents membres qui sont les nominés. Vont aller dans une salle d'attente et je vais appeler, je vais engager une discussion avec les membres qui resteront dans la salle principale de Zoom qui est en grand nombre quand même. Voilà. Quatrième, nous allons vérifier avec le secrétariat comment est-ce que le consensus se passe sur le système Lumio. Et cinquième, nous allons retrouver aussi des nominés et partager les différents résultats. Voilà. Je voudrais donner la parole à Saviera, s'il vous plaît, à Saviera.
Hello everyone again. To begin our election. Merci Colina, merci beaucoup. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Pour commencer notre processus d'élection, je voudrais présenter les nominés. Nous considérons aujourd'hui, je vais présenter chacun de ces hommes et aussi avec leur biographie pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre en présentiel avant qu'on ne continue avec la discussion. À titre de rappel, tous les nominés ont travaillé, ont partagé, sur les dominions et vous pouvez les regarder vous-même sur vos systèmes si vous le voulez. Avant tout, nous avons Aibak Samakwa qui est là pour son deuxième mandat pour l'Asie, Centre et de l'Ouest. Sa nomination a eu l'appui du consensus et les membres de sa région. Malheureusement, dû au temps, aux contraintes, il devait quitter. Donc, je vais lire Aibak, c'est un chercheur au IG, au Centre de culture et de recherche IG, qui a travaillé sur la documentation des sites secrets et aussi avec sur la connaissance écologique des communautés locales dans Kyrgyzstan. Son travail essaye de comprendre comment est-ce que les sites sacrés peuvent améliorer la conservation et aussi de nos zones protégées. Et un autre élément de sa recherche, c'est surtout sur les territoires de vie, l'adaptation aux subsistances pour les communautés locales qui vivent dans le delta Niger. Les politiques internationales, science et les politiques de science internationales sur la biodiversité, les services d'écosystème, et aussi AIPEC a déjà servi un mandat avec les membres du conseil au sein de la région et il a contribué à la régionalisation et au renforcement de ce processus dans les régions, a participé dans la participation en préparation de la PAC dans les régions. C'est ça sa photo, Aibek Samakov. Merci. Deuxième nominé, nous avons Marco Bassi qui est là pour son deuxième mandat aussi. Sa nomination a eu le consensus, l'appui consensus des membres de ces différentes régions, de ces régions. Marza, je voudrais donner la parole à Marza pour le présenter. Marza. Thank you, Xavier. Merci beaucoup, Xavier. Oui, en principe, cela a été, j'ai eu à travailler sur les territoires de vie et aussi des APAC, n'est-ce pas? Pendant des décennies, en principe, j'ai eu à collaborer avec l'UICN au début de 20 ans de cela. En ce moment, j'étais impliqué surtout, j'étais basé en Éthiopie sur une recherche, une investigation. Mais quelques années de cela, je suis revenu en Europe. Donc, j'ai eu à transférer mon attention maintenant sur cette modalité de la production et faisant face et aussi à la nature où en Europe nous rendons compte des réalités maintenant et des approches aussi travaillant sur les critères de prison sur la base professionnelle. Je suis un chercheur, j'enseigne à l'université de Palerpom et aussi je travaille beaucoup, j'ai collaboré avec beaucoup d'universités en Éthiopie sur des questions maritimes, foncières. Nous essayons présentement de nous impliquer dans le consortium d'APAC par rapport à ce qui se passe en Europe. Nous allons essayer de revivre les organisations de base dans le consortium des APAC. Et mon objectif pour le second mandat est surtout d'apporter les membres, de s'assurer que les membres européens de comprendre les modalités de travail qui seront durables dans votre programme. Donc, je vois mon rôle comme étant un rôle de transition pour pouvoir parvenir au fait que nous comprenions les modalités de travail. Parce qu'il y a beaucoup de tensions en Europe sur lesquelles nous devons nous focaliser pour pouvoir réaliser certains résultats au niveau régional. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Michael. Très intéressant. Donc, troisième, nous avons Olononia Rassol Arimanana, qui est aussi à son troisième mandat dans le conseil avec
avec un rôle révisé en tant que représentant des îles de l'océan Indien au travers du processus de la régionalisation. La nomination a été acceptée par tous les membres dans cette région. Voilà, malheureusement, elle n'est pas avec nous, donc je vais faire... je suis là. Hein? Oh, pardon, je suis là. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y, hein? Elle est là. Oui, ce n'est pas mon nom qui est là parce que je suis au Maroc avec les coordonnateurs régionaux de l'Afrique. Et oui, je suis dans un site, un très beau site au Maroc. Donc, je suis Voulouna. Je travaille depuis plus de 25 ans pour la reconnaissance de la contribution positive dans des communautés dans la conservation de la nature et de la vie, et aussi dans la reconnaissance des droits et responsabilités des communautés dans cette conservation, et aussi dans la promotion des moyens d'existence durable, et surtout dans la gouvernance de leur patrimoine et de leur territoire de vie. Donc, je suis membre du consortium APAC depuis presque le début, et j'étais membre du Conseil mondial depuis 2016 en tant que trésorière pendant 3 ans, et puis représentante de l'Afrique francophone. Mais maintenant, avec la régionalisation, les membres de la région ont voulu qu'on crée cette région Madagascar-Île de l'océan Indien, et ces membres m'ont sollicité pour les orienter dans leur stratégie et action. Et bon, j'ai accepté pour mon dernier mandat au niveau du Conseil. Merci. Merci beaucoup, Luna. C'est bien de te voir ici. Oui, pour continuer, nous avons Jesse Martial, ceci, et aussi je vais lire sa biographie, et aussi peut-être espérant que pour Jesse Martial Estenin, il est à son premier mandat en tant que représentant régional pour l'Afrique centrale, et aussi dans un rôle nouveau. Sa nomination a eu le consensus des membres dans sa région. Donc Jesse Martial n'a pas pu nous relayer, nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il a une rencontre avec d'autres membres du consortium à APAC pour l'Afrique. Voilà. José Marcial? Sí, oh, yeah, bonjour. He's here as well. OK, go ahead, please. OK, c'est comme dit Voulouna, nous sommes au Maroc. Donc, nous partageons les migrants avec les collègues parce qu'on a une connexion ici. Donc, je suis José Martial Boutoulou. Je travaille depuis plus de 15 ans avec l'association des jeunes personnes Bayaka et Sangasanga sur la valorisation de la culture traditionnelle. Et aussi, nous travaillons sur les territoires de vie dans la préfecture de Bayanga en RCA. Donc, je suis vraiment ravi de ce que mes pères ont dû faire confiance à moi pour me nominer au conseil autour de la sous-région de l'Afrique centrale. Pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup, José. Merci. Okay. So now we will move on. Très bien, nous allons aller présentement en Amérique du Sud. Nous avons Amérique Caban qui est à son premier mandat aussi en tant que représentant régional pour sa région. Sa nomination a eu l'appui et le consensus de ses membres de sa région. Donc, je voudrais inviter Kavya à se présenter. Merci beaucoup. Hola.
Bueno, me estaba diciendo que... Comme j'étais en train de le dire, nous avons procédé à la création du réseau de notre organisation, qui est le territoire de conservation des questions autochtones. Et aussi, et j'ai eu à être le président pendant 4 ans dans l'association de mon organisation. Et j'ai aussi. J'ai été aussi membre, j'ai aussi été membre du consortium AECC et j'ai eu à faire partie de l'association pour... Et pour depuis 2014, hein, et aussi la participation de ce sommet du sommet international pour la communauté autochtone au New York. Je faisais partie aussi du conseil des aînés. Donc nous travaillons sur les différentes activités dans la partie sud. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Okay, now changing to English. Last but not least, we have Luis Guillermo Izquierdo, who was nominated for his first term as regional representative for the Amazon. His nomination had the consensus support for them of the membership in this region. However, we understand there were some last minute discussions amongst the membership in Latin America. So we would like to hear from colleagues in Latin America about the current status of this discussion. Maybe Javier or Carolina Rodriguez, could you please share some brief remarks, keeping in mind our time constraints today? Buenos días a todos, muchas gracias y gracias a Javier también, Javiera, por este apoyo también. Sí, anoche tuvimos una reunión con los compañeros de la región Latinoamérica y se definieron 4 puntos que quisiéramos compartir con ustedes y luego darle la palabra a Luis Guillermo. Y como región Latinoamérica quisiéramos proponer al Consejo Directivo Global que se incluyan a los presidentes de los consejos. Nous avons demandé que les présidents donc du Conseil régional soient également inclus. Et nous savons que dans chaque région le processus est différent. Como el Consejo Directivo Global de América Latina es Luis Guillermo Izquierdo. Si se da esa opción y es aprobada, lo nominaríamos para que haga parte del Consejo Directivo Global. Et donc la question de savoir si nous allons l'avoir au sein du Conseil Global. Nous souhaiterions donc demander un temps assez court, mais pour pouvoir donc prendre cette décision de manière collective. Del Consejo Directivo Regional, donde haya lugar en cada una de sus regiones, debe esperar al siguiente periodo de Et donc, chaque conseil devra attendre la prochaine réunion. Dans ce cas-là, eh bien, on maintiendra donc la candidature de Luis Guillermo. Et donc, depuis l'Amérique latine, nous allons donc définir de nouvelles sessions pour redéfinir cette structure de régionalisation autant géographique qu'organisationnelle, pour donc vraiment nourrir cette proposition existante. Donc je laisse la parole à Luis Guillermo. Buenos días y gracias Carolina y gracias a la secretaría. Merci Carolina. Merci donc à toutes les personnes qui ont rendu possible le fait de pouvoir être là aujourd'hui. Et donc, je voulais à nouveau vous remercier de m'avoir permis de faire part donc, du consortium APAC. Estamos mostrando, estimados compañeros,
Simplemente es, pues, es resultado de, de un... Et donc la discussion est le résultat aussi d'un consensus qui a fait suite à une réunion. Et ce que Caroline vient de nous partager, c'est donc nouvelles propositions surgissent de la région. Nous sommes convaincus que donc avoir une meilleure structure nous permettra de mettre en place les activités et donc vraiment les réaliser de la meilleure des manières les politiques que nous nous sommes proposées. Et c'est ainsi que nous pourrons vraiment approfondir la régionalisation qui est donc sur la table. Je souhaite donc laisser à la considération de l'Assemblée générale la discussion donc, qui a été proposée par Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luis. Nous avons donc l'occasion maintenant de poser toutes nos questions à ces nominés. Donc, n'hésitez pas à lever la main via Zoom pour partager vos commentaires ou les faire dans le chat directement. Alors, je ne vois aucune main levée, aucun commentaire dans le chat. Je vais donc demander à Gaël de bien vouloir laisser les nominés dans la salle d'attente virtuelle du Zoom pour que nous puissions avoir une discussion sans leur présence. Alors, Colin, désolée de l'interrompre. Je voulais simplement savoir si quelqu'un voulait dire quelques mots sur comment nous allons faire pour cette représentation donc Amérique latine. Oui, alors je pensais que nous allions en parler plus avant, mais si c'est un bon moment pour le faire, il n'y a aucun problème. Et peut-être que nous pourrions très brièvement répondre donc à la proposition de l'Amérique latine. Pour voir si donc il faudra réviser la proposition, la nomination. Il me semble que c'est une des questions qu'ils avaient proposées également. Savoir si Guillermo sera donc dans le rôle de représentant de l'Amazonie, par exemple. Oui, désolé. Oui, en effet. Alors, j'essaie de réfléchir pour voir au niveau des procédures. Je me demande si nous avons besoin de plus de temps, peut-être, pour discuter de la proposition. Latin American representation come on in this form. Is that something we can do? We can accept. Est-ce que nous pouvons donc accepter dès maintenant un représentant pour toute l'Amérique latine?
ou est-ce que cela donc a besoin d'être discuté au niveau du Conseil? Je pense que les procédures de gouvernance nous permettent de faire cette modification. So is that something that is understood and that can be acted on today? Et donc, si c'est le cas, nous pourrions voilà accepter cela dès aujourd'hui. Et voir si nous avons donc une nomination pour la région Amazon. Est-ce que cela fonctionne? Oui, donc, basiquement, il y a donc deux options. La première option, c'est que si l'on ressent qu'il y a besoin d'une discussion plus profonde entre les membres de l'Amérique latine, ou si ils sont tous d'accord donc pour un rôle additionnel régional, en effet, du point de vue des procédures, c'est tout à fait possible donc, de faire ce choix aujourd'hui si tous les membres sont d'accord. Oui, il me semble que c'est possible. Il faudrait peut-être vérifier. Donc, le Conseil peut donc faire ce changement dans les procédures de gouvernance après l'Assemblée générale également. Donc, cela prendra plus de temps. Ou en tout cas, si on a besoin de plus de temps, si les membres ont besoin de plus de discussions au sein de la région Amérique latine, pour quelque raison que ce soit, eh bien, cela est possible. Donc, il me semble que la question à ce stade, c'est vraiment savoir donc, si les membres de l'Amérique latine ont besoin de plus de temps pour en discuter ou pas. J'imagine que cela pourra se résoudre assez rapidement, mais si l'accord est total dès maintenant, eh bien, on peut tout à fait donc imaginer la création de ce rôle dès maintenant. Alors, je vois que il y a une main levée ici. Oui, allez-y. Yeah, thank you. My name is Wilson. Oui, merci. Je suis donc Nilsson Kipkazi. On that subject that you've introduced, I think we may not have. Je souhaitais simplement dire que nous n'aurons peut-être pas le temps de discuter de cela, car nous avons besoin de détails qui soient donnés par le secrétariat. And we be advised accordingly. Donc, je pense que nous avons besoin là d'avis techniques de la part du secrétariat aussi, et principalement donc de l'équipe technique. Donc, je propose que nous donnions un peu de temps, peut-être 2 semaines, avant d'en discuter, enfin pour pouvoir en discuter vraiment d'ici à la prochaine réunion. Merci, Nilsson, pour cette proposition. Il me semble que cette proposition donc, en Amérique latine a surgi hein, dans les dernières heures. Donc, je sais que c'est pour cela que le secrétariat n'a pas eu le temps de partager cette information. Donc, ce point est tout à fait pertinent. Peut-être qu'en effet, il ne faut pas donc agir comme ça en urgence. Cela peut avoir des implications pour d'autres régions également. Donc, je pense en effet qu'il est sage de laisser ce thème pour des discussions par la suite. Et donc, prendre cette décision lors de la dernière session de l'AG, ou bien simplement donc laisser cette décision entre les mains du secrétariat également, pour avoir, comme vous le disiez, une orientation technique pour comprendre les implications de cette décision. Alors, en attendant, Luis, est-ce que tu souhaiterais donc être confirmé pour la région Amazonie ou
On laisse cette question ouverte, hein, donc d'avoir un rôle global pour l'Amérique latine et un rôle spécifique pour l'Amazonie. Alors, je proposerais qu'on laisse ces deux questions et qu'on ne décide pas ni l'une ni l'autre pour l'instant. Or suggestions on this line. I'm sorry. Okay, Oli. Go ahead. All right, Colin, I just wanted to flag that was Wilson from the Enderis in Kenya. Oui, je voulais simplement dire que la personne qui a parlé, c'est Wilson. Mais Luis n'a pas donné son point de vue là-dessus. Algún comentario, Luis? Luis, est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Alors, je ne sais pas si Holly souhaitait intervenir plus tôt. Bueno, entonces intervengo. Bon, je me lance alors. Yo creo que, alors, il me semble qu'en tant que réseau d'Amérique latine, il serait en effet peut-être important de discuter, de prendre une décision plus tard. Donc, en ce qui me concerne, dans la sub-région Amazonie, nous pensons que tant que donc la décision n'a pas été prise, nous pouvons continuer à avancer dans les nominations et les élections. Cela nous permettrait donc de laisser le temps au Conseil, au secrétariat, d'y réfléchir pour vraiment voir quelle serait la place donc, de l'Amérique latine dans le Conseil. Et cela donc, doit se faire dans le cadre de la régionalisation dont nous avons parlé. Donc, en ce qui concerne la nomination, je suis tout à fait donc, disposée à accepter ce rôle. Et de cette manière, nous pouvons laisser le temps donc, pour discuter de l'autre proposition. Libérer le lugar de la sub-région et pues nosotros como Amazonia de... la connexion de Luz Guillermo est assez mauvaise, il est donc difficile de suivre ce qu'il dit. Oui, la connexion est assez mauvaise. Nomination comme sub-région à travers de mi persona. Donc simplement pour résumer, je donc suis d'accord pour continuer avec la nomination et s'il y a un nouveau poste, dans ce cas-là, le conseil directif pourra donc décider de qui occupera ce nouveau rôle. Okay, thank you, Luis, for those clarifications. Okay, merci Luis donc pour ces commentaires. Alors nous avons été coupés plusieurs fois. Donc j'espère que nous avons bien compris ton message. En tout cas, si j'ai bien compris, la proposition serait que dans ces circonstances, nous pouvons donc continuer avec ta nomination pour la région Amazonie
et donc par la suite prendre le temps de discuter donc, de la proposition qui a été faite, d'avoir une représentation générale, globale, qui sera donc soumise à discussion. Alors, je crois que j'ai bien compris, c'est cela, hein? Parfait, je vois dans le chat ici que ce que j'ai compris est donc confirmé. Merci Caroline d'avoir indiqué ici dans le chat. Donc nous maintenons Guillermo en tant que représentant de la sous-région Amazonie pendant que nous définissons donc plus avant le lieu des présidents régionaux au sein du Conseil global. Alors, désolé, j'ai perdu le message dans le chat. Let's proceed. Eh bien, continuons. To the breakout. I guess the candidates, the nominees, go to the waiting room. Nous en sommes donc à la phase où les candidats seront mis en salle d'attente. Are we good? I'm still here. No, est-ce que tout est bon? Non. Alors, j'essaye de les mettre en salle d'attente, mes d'autres collègues les acceptent à nouveau dans la salle principale. Donc, merci de ne pas réaccepter les personnes qui sont en salle d'attente. Alors, je pense que c'est bon. Alors, je crois que nous avons un candidat qui est parti, José Martial, et les autres candidats sont donc en salle d'attente. Alors, est-ce que quelqu'un a des objections concernant donc, ces nominations ou avez-vous des inquiétudes par rapport à leur candidature? Alors, si vous avez des encouragements, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mais si je ne vois aucune objection, je considérerais que ces candidatures sont acceptées. All right, I think that is unanimity. Eh bien, je crois que nous avons donc l'unanimité ici. Il semble que nous ayons un consensus pour tous les candidats. And I will ask Gaël to welcome the nominees back to the room. Et donc, Gaël, est-ce que tu peux accepter à nouveau nos nominés dans la salle principale? And if you could just let me know, Gaël, when everyone is back in. Yes, we have everyone back. OK, il semble que tout le monde soit de nouveau dans la salle. Eh bien, bienvenue. À nouveau, aucune objection n'a été émise à l'encontre de vos candidatures. Vous êtes donc formellement, officiellement approuvés.
And I will ask félicitations. Je voudrais demander la motion pour approuver l'élection de Marco Ballonola et puis José Martial et Javier. Merci beaucoup. Et aussi Luis, Guillermo. Donc, nous avons besoin d'une proposition et aussi quelqu'un qui va proposer, quelqu'un qui va seconder. Motion d'approbation. Motion d'approbation. Thank you. Merci beaucoup. Was it Femi? Est-ce Femi? Who moved and... C'est Femi qui a, au nom de Semi-Post, hein? Nous assistons, nous appuyons la proposition. Giovanni pour seconder. Merci beaucoup. There was a hand raised there. Il y avait une main quand même qui était momentanément levée, mais on ne la voit plus. Sur ce, nous pouvons confirmer, sur la base de consensus, l'assistance, l'appui pour nos nouveaux représentants d'être élus à leur premier, au deuxième ou bien troisième mandat. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup à chacun de vous d'avoir osé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les nouveaux élus là? Est-ce que vous voulez dire quelque chose des derniers commentaires, les nouveaux élus, là, est-ce que vous avez un mot quand même à nous partager? Merci beaucoup. Je pense que tout le monde est conscient du temps qui nous est imparti. Donc, nous avons essayé de retourner à temps, retourner sur notre agenda. Nous avons donc... Nous avons atteint le dernier point de notre agenda pour la session d'aujourd'hui. Cela ne va pas prendre trop de temps, donc une petite patience pour qu'on puisse maintenir le quorum. Nous allons considérer la nomination de l'auditeur de compte et aussi comme avec l'historique, l'auditeur du conseil, c'est l'un des trois organes de l'association, en plus de l'Assemblée générale et aussi le conseil. Conformément à nos statuts, l'auditeur de compte doit vérifier les comptes préparés par le conseil et présenter un rapport écrit à l'Assemblée générale conformément aux statuts. Conformément aux statuts, l'auditeur de compte aussi va réagir à sa personne responsabilité qui va appuyer l'association sur la base de ses capacités et aussi en étant un arbitre neutre et aussi en faisant face à nos éléments. Je voudrais remercier Marc Fazen pour votre contribution en tant qu'auditeur et aussi depuis l'Assemblée générale en fin de 2019. Vous êtes un membre honoraire et membre aussi des perspectives. Il est activement impliqué dans l'assistance en Asie centrale, entre autres points. Nous sommes très reconnaissants pour le travail qu'il a fait en tant qu'auditeur de compte et au travers l'année 2020, 2022, 2021, 2022. Et il a accordé d'être repéré. Réélu à ce poste-là, nous n'avons pas reçu d'autres propositions. Voilà, donc, comme cela est dans les procédures de gouvernance, le terme c'est un an, une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question de clarification, d'objection à la nomination de notre ancien auditeur de compte? Si vous en avez, n'hésitez pas de le mettre dans le chat, s'il vous plaît, ou bien levez la main et vous prononcez maintenant ou jamais. Vu qu'on n'a pas d'objection et personne qui a donné une réaction dans le chat, nous considérons la nomination. Est-ce que je voudrais demander une motion d'approbation et aussi c'est quelqu'un qui va seconder cette approbation? Voilà. Thank you. On the Welfare Council. Welfare Council. I'm sorry. It's Wilfred. Yeah.
Wilson, merci beaucoup. Wilson Getake, je propose, hein, je suis propose proposition d'approbation. Est-ce que nous avons quelqu'un pour seconder, Monsieur Valfer, l'approbation de ce de cette nomination de notre ancien auditeur qui sera reconduit à son poste? Je seconde, si je peux, en tant que membre honoraire. Nous avons besoin d'un membre pour seconder sur cette question. Je seconde Femi de NTFP. Merci beaucoup, Femi. Merci. Et voilà, donc ça, cela est confirmé. Félicitations, Marc, encore. Sur ces mots, nous avons couvert tous les éléments de l'agenda dans la session de l'Assemblée générale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre participation active. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine pour deux engagements des événements de membres. Le 6, le mardi 6, nous allons discuter de notre manifesté pour les territoires de vie, le 6 juin. Et le 8 juin, nous allons discuter aussi les résultats clés et des différents éléments d'enseignement, des réflexions organisationnelles et le processus de voir la révision de Mali-Assili. Donc, les deux événements sont des opportunités pour beaucoup plus apprendre de ce concept et aussi nous aider à informer comment est-ce que notre organisation va vivre au travers les années à venir dans les différents processus. La quatrième et la dernière session de l'Assemblée générale sera organisée juin 28 à la même heure et cette session va inclure beaucoup plus des élections des conseillers et aussi le plan d'action 2023, le budget, et espérant que nous allons conclure l'Assemblée générale en approuvant notre nouveau manifesto. Voilà. Vérifiez les emails d'Xavier, notre coordinatrice de secrétariat, et aussi des autres sur ces différentes rencontres pour mettre à jour et des préparations qui sont liées pour les nominés des conseils et aussi la contribution de la prise de décision en avançant voilà, au travers de notre système Alenium. Finalement, mesdames et messieurs, je voudrais remercier nos chers interprètes qui ont de façon brillante nous a assisté à communiquer dans 5 langues aujourd'hui. Havana, Ivana, merci beaucoup, Mr. Barry, et aussi Daniela, Elena, mon fils Loli, et aussi Raquel, Rachel, Gaël et Cilia. Merci beaucoup à ces vaillants guerriers. Ce qui conclut aussi, mesdames et messieurs, cette Assemblée générale. Et aussi, à nous revoir à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre très aimable attention et de votre participation active.